Salut les amis, c'est Jody Dream, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue et bienvenue à 8 Aya qui vient nous rejoindre dans la team des Sushi Lou. Donc ce soir, on est là pour se détendre, essayer de se changer un petit peu les idées. Et je suis déjà en très charmante compagnie de Poussin et de Glenn et de Darky Sunshine qui modèrent joyeusement ce live. Donc on va faire un petit live sur Terra Cube et plus tard on fera une bonne petite pause, je crois d'une demi-heure, puis après on fera des mini-jeux, bah, si ça vous convient. Donc vous êtes 33 à regarder le live. Cool les mecs, ça me fait super plaisir d'être avec vous ce soir. Donc j'ai ma cam, j'ai la caca cam qui commence à m'embêter. La caca cam qui commence à embêter le bazar. Donc, je vois que vous êtes contents. Donc, je vais démuter les gars parce que je vais les démuter. Un peu mieux, j'allais encore parler toute seule durant des heures. Premier fail de ce soir, les amis. Attendez, je vais juste mettre ma cam à gauche parce que j'aime bien la mettre à gauche. Voilà. Donc, coucou. Coucou. Donc, qu'est-ce qui se passe, Glenn? Ah, est-ce qu'on entend bien tout le monde, Darky? Tu sais, je vais écouter le live pour voir si on entend bien tout le monde. Ouais, j'ai écouté, on nous entend. Nice, nice. Et j'ai également donc sur le Twitch deux adorables modératrices qui sont Euromozy et Kibou qui vont modérer. Veillez à ce que vous ne fassiez pas de bêtises. Est-ce que vous n'avez pas de bêtises? Donc voilà. Parfois. Sinon, pain cucu sur vos fesses. Donc voilà, et quelqu'un, voilà, à qui je mets pas pain cucu parce que quelqu'un a tout simplement oublié de fermer la porte ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui a oublié de fermer la porte ici? Qui a oublié? Je vais lui mettre une rouste, moi. J'ai pas peur de vous, les mecs, hein. Sakura. C'est quoi qui me tape? Oh putain. Oh le mec. Oh mais le mec, il m'a mis un truc. Genre... On va tous mourir, là, on va tous en mode... Ah, je suis malade, je suis malade. Je suis malade. Oh purée. Et les gars, et je bois une bière et c'est mon personnage qui est bourré. C'est littéralement ça. Donc, mais oh, mais c'est quoi tous ces gens qui me tapent? En plus, je me suis rendu compte que j'ai fait la conne parce que j'ai oublié je me suis gouré et j'ai effacé tous mes wipeouts parce que je me suis emmêlé avec les configs. Donc où est-ce que je vais? Heureusement qu'elle est téléporteuse, clairement. Où est-ce que je vais mettre le truc de Sushi World? Sushi World, là, lol, non, ça, c'est tout à fait autre chose. Voilà, c'est fait, maintenant... Ah ouais, mais il a un fouet, là, le mec! Bien, c'est lui qui tape. Voilà, c'est fait, il se tape entre eux, là. C'est la merde, voilà, c'est déjà la merde. Donc, ce que je vais faire, à mon avis, je vais mettre mon waypoint ici. Waypoint, add... The town. Bienvenue à Kawaii Dessu. Bienvenue à toi. Bienvenue à toi. C'est trop mignon comme truc. Il y aura peut-être une âme généreuse qui partagera MedaFire son fichier de race minimap. Non, il n'y a pas de problème, je l'ai refait, hein, il n'y a pas de souci. Voilà, ça s'est refait déjà. Hop, je l'ai mis au niveau des téléporteuses. C'est parfait. Donc oh. Qu'est-ce que je voulais faire? Donc j'ai pas joué sur Terra Cube depuis la fois passée, depuis le live Live and Breakfast qu'on avait fait. Manque de temps, donc voilà. Ah oui. Ouais. Ah oui, si je voulais vous dire que j'ai fait un achat aujourd'hui, je me suis fait plaisir aujourd'hui, j'ai été à Dreamland. C'est un magasin en Belgique, je sais pas si vous en avez en France pour les Français. J'ai acheté ce livre. Construire Minecraft, les plus belles créations, les conseils des meilleurs. Donc voilà, j'ai acheté ce livre, je l'ai payé 19,95€ chez Dreamland. Et donc c'est tout des grandes vies, tous des trucs où ils vous donnent des astuces pour construire des trucs mais super beaux. Donc voilà, c'est pas, enfin je trouve que c'était vraiment pas cher pour le beau livre que c'était. Donc voilà, je vous le montre à la cam ici. Voilà, ils montrent des villes steampunk, des trucs médiévaux, des trucs futuristes, enfin c'est vraiment très très bien fait. Franchement, voilà, je vous le conseille. J'ai pas encore lu, mais en tout cas, je vous le conseille, j'ai déjà bien feuilleté. Non, et... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il est Enderman. Mais... Qui fout le dawa? Ah bah ça y est. Qu'est-ce qui... Un golem de neige? Mais pourquoi t'as fait popper un golem de neige? Parce que Noël arrive, je dis. Parce que Noël arrive, mais c'est dans plus d'un mois! Attends. Il a faux, mais la moquette. Il y a la Saint-Nicolas avant. Bon, comment est-ce qu'on... Par contre, il faudrait que je reparamètre ma mini-map, parce que là, c'est...
C'est n'importe quoi. Ah, zoom, le zoom, le toggle le zoom. Oui. Ils ont tué Ola. Oh. Bravo les gars. Vous avez trop bien fait parce que là, ça me sou... me fait frapper, moi. Deux secondes, je paramètre mes waypoints. Le pauvre pété. Il est mort. Je paramètre mes waypoints et c'est la merde parce que toutes les touches sont occupées. Voilà. Y'a moi maintenant. Ça fait plaisir. Il va venir sur le toit de la serre. Eh, hey, mais y'en a plein. Ah non, ça c'est bon. Oh là là, oh le boulot. C'est ça. Wow. Je voudrais un bon. Essayez. Ça fait plaisir, Poussin. Bienvenue à Maya 3364, bienvenue à toi. Bordel. La neige partout. Non, c'est pas moi. Non, ça c'est là. Oh, j'ai pas vu un truc. Ok, c'est super. Bon, bah voilà. Mais oh, mais purée, mais les gars, et moi je vais vous mettre des boules de neige dans la tronche, vous allez voir, viens là. Zbreu. 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 Désolé, ça c'était le rire, ça du le rire de forain, voilà, c'était rien contre mes amis les forains. Pour ceux qui veulent, c'est vrai que j'ai pas mis le truc du TeamSpeak. Dark, est-ce que tu mets. Attendez, je vais faire ça même plus facilement. Je vais vous mettre le lien du TeamSpeak. Je ne vais pas prendre d'abonnés avec moi aujourd'hui, je pense. Arrête. Mais ceux qui désirent rejoindre le TeamSpeak, tout simplement, pour papoter bah, peut-être un jour avec moi, parce que bon, bah, je crois que les sushis peuvent vous le dire. Ça m'arrive de passer sur le TeamSpeak. Ben voilà, vous pouvez. TeamSpeak est un logiciel qui est gratuit. Donc, voilà. Et vous mettez juste l'adresse jeudi.ts3. Enfin, voilà. Ah, mais je l'ai mise maintenant sur le truc, donc voilà. Tiens, j'entends les lives, il y a toujours des gros fails, mais toujours. Toujours, toujours. Boule de neige. Donc, bonjour à tous ceux qui sont là. Sia, Matiti, Océane. Merci d'avoir Matiti. Je crois que c'est toi qui m'as envoyé des fanarts via Instagram. Bienvenue à Nico Sugar, Cute Angel, Tawi, Tiwali, Lapinette, Andrea, Océane. Je sais pas si j'ai dit Océane. Adjutant Léa, Sia, Cute Angel, j'ai dit aussi. Enfin voilà, merci. Bienvenue à tous. Voilà, ça me fait plaisir de vous voir. Donc, qu'est-ce que l'on va faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas. Je sais pas, j'ai pas d'idée, j'avais juste envie de passer un peu. J'entends un ogre, le chou. Tu entends un ogre? Oh, je suis un ogre en dessous, quoi. T'es sûr que c'est pas ton ventre qui gargouille? Mais c'est clairement ce que je me suis dit. Enfin, un ogre on va se faire défoncer par Glen. Voilà. J'ajoute en même temps mes waypoints au fur et à mesure que voilà. Donc, j'avais commencé donc dans le live précédent à bosser sur un hôpital. Et mon hôtel est pas fini et il y a des trucs il me plaît pas plus que ça en fait. Enfin, il est pas laid mais comment Poussin, qu'est-ce qu'il y a? La gueule, tu vas me foutre le feu. Bah oui, mais là, ah bah il fait comme Johnny Hallyday hein. Il fait comme Johnny Hallyday. Il fait comme Johnny Hallyday. Bon, par contre, ce qui me dérange en fait, je me dis, est-ce que les sushis, j'aimerais avoir votre avis là maintenant, est-ce que je n'inverserai pas mettre ça, mais à la place d'ici. Ah, Titi! Emmène tes fesses! Donc, est-ce que je n'échangerai pas juste les colonnes ici, que je mettrais donc un autre bloc de quartz ici, genre, vous voyez, ceux qui sont un peu comme le dessus, un peu comme des dessus de colonnes, en fait. Et là, je sais pas, peut-être mettre autre chose. Coucou Titi! How are you? Comment ça va? Ah bah ça va. Ah bah ça va bien. On est avec tous les compars qui regardent et bah là je suis en train de regarder comment je pourrais faire ça mon suffit. Hôpital. Putain mais Dark, désolé mais tu vas mourir. Oui, allez, là, non. Tu non, non, non. Ça c'est fait. Je sais pas ce qui s'est passé. Il se démerde comme des grains. Hein. Qu'est-ce qu'il faisait en fait? Bah, il s'était remis en golem. J'étais en train de m'amuser d'enlever toute la neige que les golems avaient mis. Et lui, il se transforme en golem de neige. Il met de la neige partout. Mais j'avais pas vu qu'il était en train de l'enlever. Oh. Je dis, tu presses la prison comme ça. Oui. Pas aujourd'hui, non. Oh, dommage. Pas aujourd'hui. Donc, maintenant, les sushis, je vais vous demander une idée.
qu'est-ce que je pourrais mettre comme bloc à la place des piliers qui étaient là en fait? Donnez-moi des idées. Des torches, ça partirait à la nef. Des bougeonnies en fait. Moi je suis à Dream City si vous me cherchez. Je suis en train de travailler sur mon hôpital. Tranquillou. Posez. Et je me dis que. Parce que je me dis que. Voilà. T'as commencé à faire un hôpital ? Bah oui, j'ai commencé à faire l'hôpital. Ah. Et où ? À Dream City. Mais je ne sais pas du tout comment je préfère les trucs, donc c'est vrai que j'ai peut-être besoin de toi pour savoir ce que tu en penses. Je dois te croire en tout cas. Nous avons perdu le poussin a pété un câble, les amis, attention. Oula, dans ma maison. Argile durcie, pierre taillée, coche taillée. Ah ouais, d'accord. Argile. Tu vois le truc qui fait moche, et ben c'est ça. Mais parce que je sais pas si vous ont beaucoup de propositions. Ouais. Alors tu vas gil durci, couleur au choix, bois rose, pierre taillée, quartz taillé, argile, quartz et voilà. Ah oui. Quelqu'un qui m'a dit quoi le mode qu'on fait le bunny challenge, bah c'est le Minecraft de base, le bunny challenge les gars. On a juste mis un pack de textures. Et donc t'es dit, tu voudrais quoi comme... Attends, je vais un peu monter ton son, Titi, parce que là, c'est abominable. Là, je veux voir. Et y'a pas attaque déjà? Ouais, vert et blanc, ça fait hôpital. Ouais. Ouais. C'est ce que je me suis dit, j'ai envie de faire un hôpital pour... Je préfère une salle camisole aussi, avec de la laine blanche. Bah, ce que je comptais faire, en fait, je vous explique. Je vais essayer de faire un système pour y amener des zombies PNJ en fait dedans. Enfin des zombies. Oula, villageois. Pour bah, les soigner tout simplement. Pour les soigner. Donc voilà comment ça va être fait. Donc je vais mettre ça et ça. Et là comme ça il y aura des fenêtres. Et c'est vraiment là remplacer le truc là que je sais pas en fait ce que je dois faire. Donc voilà, donc ouais. Je crois que je vais mettre de la pierre. On va faire un essai. On va faire un essai, les gars. Ouais, c'est ça en fait que. Attendez, je vais faire. Je vais refaire d'autres. La spawn comme ça aussi. Voilà, c'est me. T'aimes bien toi ou pas? Moi après voilà, je suis pas fan. C'est dégueulasse. Attends, on va faire un test. C'est mon avis. On va faire. Non, mais pas de problème. Non, mais je veux des avis. Mais je crois que je vais essayer de mettre ouais un truc. Attendez. Bon, ton bâtiment, franchement, la forme est jolie pour le moment. Ah. Jolie. Mais oui. Même avec le quartz, ça rend super bien. Mais c'est la stone comme ça qui me dérange, moi personnellement. Comme ça, c'est mieux. Je crois. Ah ouais, c'est déjà mieux, ouais. Donc je dis donc il y a Elt Aya qui te demande comment s'appelle le pad de texture que tu utilises pour le Bunny Challenge. C'est le. Attendez, je vais regarder ça tout de suite. Pack de ressources. Oui, je bois un petit verre, les gars. Je vous rappelle que l'alcool est à boire avec modération. C'est de la pêcheresque, quoi. C'est une bière qui est pas très lourde, qui est pas très forte. Je t'ai précisé pour qu'ils disent ah, il y a Jody qui boit. Oui, voilà, donc c'est le Kawaii World. Voilà, c'est le Kawaii World. Il est super mignon. Mais par contre, pour le moment, je suis sympa avec des yeux parce que mon jeu bug atrocement pour le moment, donc voilà. Ah, Jody, il y a Kibou qui te propose à la place de l'argile mettre du bruit vert. Mettre le bois rose? Non, le bois bleu. Bleu, ah oui. Ou alors pourquoi tu mettrais pas de la clé? Ah oui, tiens, mais de la clé, où est-ce que je peux trouver? Ah oui, merde, où est-ce que bah, je peux. Si tu veux, je sais où il y a le biome disco, mais il est hyper loin. J'ai mis une téléporteuse moi la dernière fois que j'y étais. Et bah, si tu veux, ouais, bah oui, parce que. C'est toi la clé, Titi. Mais Alta, viens avec nous, rejoins-nous sur le TS, ma belle. Rejoins-nous, plus on est de fous, plus y a de riz. C'était la blague débile du jour. Oui. Il y en a qui disent qu'à 8h20, tu fais ça dessous, parce qu'à la fin du live, on va te retrouver pompette.
Non, non, mais c'est très léger, hein. Franchement, je vous promets, c'est très léger. C'est du 2,5. C'est une bière très légère. Oui, c'est du 2,5, c'est une bière très légère, parce que j'aime pas le goût de la bière. La bière Jupiler, vous voyez, les grosses bières de mec, j'aime pas. Celle-là, elle a un petit goût sucré et ça passe très bien. C'est vraiment idéal pour se détendre un samedi soir après une dure journée de travail, moi je vous le dis. C'est vrai qu'on a eu au marché de Noël, il y en a qui ont le goût de chocolat, c'est trop bon. Des bières qui ont le goût de chocolat? Ouais, j'ai découvert ça c'était l'an passé, il y a deux ans. C'est une bière québécoise qui a, quand tu la bois, un arrière-goût de chocolat. Enfin, ça goûte bien normal et quand tu gardes le goût quelques temps en bouche, t'as une espèce de goût de cacao qui ressort dans... Enfin, c'était pas qui, quoi. C'est trop cool. Mais oui, ça a l'air trop bon. Ça a l'air trop bon, ce dont il me parle, le poussin. Oui. Bah, s'il y a le truc québécois, ça dit... Oui, Titi. Étant donné que tu peux pas... tu dois aller... En gros, tu dois trouver la téléporteuse pour aller au biome Mesa, mais comme elle est hyper loin... Mais ne tapez pas des trucs comme ça, purée, les gars. Non. De quoi? Qui a tapé une jack-o'-lanterne, là? Mais si tu veux, tu peux te téléporter à moi, j'y suis là, et puis comme ça tu débloques la téléporteuse. Mais non, mais c'est un peu de la triche, non? Bah non, téléporte puisque pas. La téléporteuse existe. Bah alors faut la paramétrer pour qu'elle puisse téléporter tout le monde. Ouais, mais ouais. Ça dérange pas si je le fais pour tout le monde? Bah oui, vas-y. En fait, ce qu'il y a chouchou, c'est que soit tu choisis que tout le monde y ait accès dès le départ, soit tu choisis pas, et donc personne n'a d'avantage, et c'est tout. Ok. C'est aussi simple que ça. Voilà. Ouais. Maintenant, c'est que mettre ce bois-là à la place du... Ouais, ça sera un peu dégueu. C'est quoi? C'est... Available when discovered? Forme departure, faut, je sais plus quoi le nom du... Pas départure, mais je sais plus le nom que ça. Forme départure, la fille qui... En anglais, mais tellement basique, tellement bien. Normalement, ça va être bon. Essaye voir d'aller à la téléportation. Attends, deux secondes, chouchou, deux secondes. Ah merde! Pardon. J'ai un gros mot. Miaou! Il faut dire miaou! Les abonnés, dites-moi que je dois dire miaou parce que sinon... Ouais, voilà qui s'ouvre... Poussin. C'est comment il s'appelle, mon meilleur ami, déjà? Merde, j'ai oublié son nom. C'est trop ça. C'est Jérôme. Tu te mets plus sur ta gueule. Je dis, il y a tout le monde qui est là, enfin, personne, pas tout le monde non plus, mais il y en a qui te demandent quel est le mode Aurore Boréale. C'est un mode que Dark Even avait présenté. Je ne sais plus le nom. On vous invite à aller voir cette vidéo. Oui, bah oui, c'est littéralement ça. C'était dans la dernière vidéo. Et merde! Dans la dernière vidéo des petits modes. Enfin, de Calypso Mode, je sais plus du tout le nom. En plus, je crois que je l'ai dit dans la vidéo où j'avais commencé à le mettre, ce mode. Je trouve, mais super beau. Ça fait vraiment des très beaux ciels. C'est très girly. Allez! Ah, voilà! Il y a Camille Lucimia qui te demande quand est-ce que le Sushi World va ouvrir. Bah entre guillemets, il est déjà ouvert, Sushi World. Faut juste être sur le TS. Il y a que les gens qui prennent la peine de venir sur le TS qui ont accès à ce serveur. Je pense que ça serait mieux que ce soit Kitsu qui explique. Parce que c'est quand même lui qui a créé ce... Ce truc, donc limite, propose-lui peut-être de... Va dans le salon où il est et regarde avec lui s'il veut passer. Peut-être, s'il veut passer durant le live. Ah mince, il est pas connecté. Ah merde, bah écoutez, je vais expliquer. Moi je vais expliquer. Donc, Sushi World est un serveur qui a été créé par les fans, pour les fans en gros, donc... Enfin pour mes fans, enfin par mes fans, pour mes fans en fait, tout simplement. Donc bah qu'est-ce qu'il faut? Bah déjà suivre ma chaîne, parce que bah voilà, c'est comme ça. Et venir sur le TeamSpeak de façon régulière, voilà, c'est la condition pour avoir accès à ce serveur, tout simplement, voilà. Et tout le monde peut y venir à partir du moment où,
où il est sur le TeamSpeak. Maintenant, voilà, c'est sous réserve de, tout le monde n'a peut-être pas forcément accès, ça dépendra vraiment si des abonnés fidèles, voilà, c'est un abonné vraiment fidèle. Voilà, je préfère prévenir tout de suite. Hops. 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 Et voilà. Mais je sais pas, oui, je regarde avec le truc. Je vais laisser toujours ça là, par contre, c'est n'importe quoi. Je mets même pas de torche, moi, en mode YOLO, ça va aller, tout va bien. Comme moi avec le fantôme qui m'a fait le feu. Ça va aller. Ouais. Puis après, bah, ça va foirer parce qu'il y a un plein de mobs qui va nous attaquer, ça serait la merde. Je vous le dis, moi. Hop. Voilà. Aïe aïe aïe, c'est trop bizarre. Il se passe des choses bizarres. Il y a des fantômes ici ou quoi? Hop. 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 Et voilà. Donc ici, ça sera la partie vraiment... oui, le hall d'entrée. Là, il y aura une petite madame qui fera l'accueil et une autre par ici qui vendra des médicaments. Là, il y aura des bancs pour attendre. Et ici, donc là, je ferai déjà des endroits où on pourra mettre des zombies villageois à transformer. Voilà. Et alors, je vais mettre des potions à vendre, des pommes à vendre. Oui, dis-moi. C'est de te poser la question, est-ce que tu feras des lives sur Sushi War? Pourquoi pas, pourquoi pas. Faudra que je regarde un petit peu, faudra que je prenne mes marques sur ce serveur, mais pourquoi pas, clairement, pourquoi pas. Oui, oui, si pour venir sur le serveur, oui, il vous faut un micro. Ça c'est la moindre des choses pour qu'on fasse le DS. Voilà. Bienvenue à Deba Biva, bienvenue à toi. Je sais pas si j'ai bien dit ton pseudo, bienvenue à toi, bienvenue sur la chaîne. Donc bah... Ah, une vache volante. Purée, mais tu m'as fait trop flipper, mais... Viens là, je vais te traire. Oh là là. Bon, je vais venir pour tester le truc. Je vais juste mettre un petit panneau. Genre futur hôpital de Dream City. Comme ça, voilà. Futur hôpital de Dream City. Je sais plus parler. Voilà. Hop là. Ouh, ah non, j'allais dire un cerf, mais non, c'est pour ça. Dreams. C'est toi le Dreams. Nous sommes des abonnés. Comment? Nous sommes des abonnés. Nous sommes des abonnés. Et les gars, par contre, j'hallucine d'un truc. Bientôt, on sera 19 000 sur la chaîne. 19 000, c'est trop, trop énorme. C'est trop cool. C'est vraiment super. Je suis très contente. C'est là du coup, 20 000, 21 000... Hein, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, t'arrives vite à 19 000, mais on sait jamais que t'arrives vite aussi à 20 000. Ah. J'ose espérer que notre famille va s'agrandir, notre belle famille. Car oui, c'est une famille. Nous sommes une famille. C'est pas là que je veux faire ça. Hop là, ici. Hop, les petites graines. Ah non, les petites graines, je vais les mettre dans mon sac. C'est le bon. Ah, il y a une chèvre, je vais l'utiliser comme poubelle. D'accord. Bon. Mon titi, je vais tester ta téléporteuse et je vais aller au biome que tu m'as dit. Voilà. T'espères que ça va marcher? Par contre, je t'entends au loin. Je sais pas si elle vient t'entendre bien. Ouais, mais c'est pas grave. Je vous ferai la traduction. Mmh. Donc c'est quoi le nom? Guillaume, mais ça, c'est le tout premier normalement. Ben nope, t'as pas modifié le truc. Je vois pas dans la liste en fait. Attends, on bouge pas, ne bouge pas. Bouge pas, je vais me contrôler. C'est Darky qui ouvre les portes et qui ne les ferme pas! Oui, c'est Darky. Ah là, je dois le voir, ah là. Il était filmé, hein, en plein flag, hein, mec, hein. C'est parti, c'est parti. Je vais te fermer la porte. Voilà, très bien. Tu vas voir maintenant. T'auras une gommette. Ah.
Oh. Il y en a qui se demandent, tu vas aussi refaire un live Poké MMO. Bien sûr que je vais refaire un live Poké MMO, j'adore ce jeu donc. Oh, j'ai commencé super. Aussi moi. Ouais, t'aimes bien Oui. Ça chope avec quoi? Ça chope avec, avec une pioche. Ah ouais, bah oui, avec une pioche. Oh, je vais faire avec ça. Dans les tons. Je vais essayer plusieurs tons. Plusieurs tons. Des tons. Désolé, c'était. Y a Axel qui demande si je peux la bouger. Qui? Oula, Axel, modératrice. Ah, mais oui, chope-la, oui, chope-la avec nous. Hein. Hello. Ça. Coucou ma belle, tu vas bien, la forme? Oui, oui, la forme. Non. Ça va, Axel? Merci pour ça. Il y a Alta qui dit que le biome, mais ça, c'est cheaté. Oui, oui, c'est cheaté. Bah non, c'est pas cheaté. Bah, vous avez trouvé la source de Kiyoshi. Voilà. What the fuck? Y'a une grosse tour ici. C'est toi la grosse tour. Il m'a insulté de grosse tour. C'est ça. Qui a dit que j'étais une grosse tour, c'est ça? Qui a dit que ça? C'est Dark Sunshine. Oh. Hé, hey, j'ai Non, oh, c'est moi. C'est moi. Ah, oh, mais le salaud là, il comme il balance là. Oh. Mais moi j'étais au cinéma. Vidéos, en fait. C'est pas toi, t'étais au cinéma. Ouais, ouais, c'est ça, tu mens. Tu mens. Mensonge. Je ne te crois pas. Oh purée, mais j'ai plus de pioche. Ah, une pioche en fer. J'ai oublié les enfants. Bon. C'est vachement haut, dis donc. Mais purée, les gars, j'ai l'impression d'être dans un biome de chocolat. Ah bon? Non, c'est pas l'impression que j'ai, moi. Ah oui, là, c'est du pain d'épices, là. C'est trop bon, le pain d'épices. Je dis, oui. T'as déjà goûté la bière à noix de coco? La bière à la noix de coco? T'as jamais goûté? Non, j'ai jamais goûté. Je pense pas qu'on va à Bruxelles, il faut qu'on aille. Ah, par contre, je viens de me rendre compte que j'ai pas mis de waypoint à mon. À la téléporteuse, c'est à peine dangereux, là je m'éloigne. Tu t'éloignes. Je vais aller manger, je reviens dans 5 minutes. Ok, ma belle, bon appetito. Merci. Bon appétit. J'ai quand même mis une demi-heure pour y aller quand même. Ah ouais, quand même. Elle est en mode bouquetin. Je m'arrachais les cheveux. Non, c'est pas Darky, hein, c'était là. Moi, je te disais qu'il me restait encore 7000 blocs à parcourir, 4000 blocs à parcourir. Ah, oui. Oh, c'est horrible. Il me semble qu'Alta est déjà venu ici aussi, il me semble. Hein? Il me semble qu'Alta aussi. Je perds la tête. Ah, tu te fais vieux, hein. C'est sympa. Je vais me faire défoncer, moi. Bon. Je suis illuminé au biome, mais ça, sauf que je me suis perdu. J'ai oublié de mettre un waypoint. Ah, bah GG. Ah, c'est bon, j'ai retrouvé. Je tiens à dire que sans Alta, je n'aurais jamais trouvé le biome, mais ça. Bah, GG à Alta, on fait des gros kiss à Alta. D'ailleurs, plein de cœurs dans le chat pour Alta, parce qu'Alta, c'est une fille qui est super. Voilà. Elle mérite so much cœur. Plein de cœurs. Merde. Je suis en mode terra fromage, moi, chaque fois que je me connecte. Je vais créer la nouvelle zone de Kiyoshi. Allez. Oh purée, mais y'a Kémé qui est sur le live. Ça te dirait de créer un biome bière, mais viens Kémé, viens sur le TS. Oui. Que je te présente mes meilleurs potes. Je crée un biome bière. Un biome bière, mais trop. Le mec qui te pose la question si tu vas faire un live Sims 4. Pas aujourd'hui. Non, ce sera du Minecraft parce que j'ai envie de construire un petit peu. Et puis après, de faire des mini-jeux avec vous. Tout simplement. Oh, plein de cœur. Plein de cœur.
voyez quelqu'un qui a un pseudo de Kemea dans les. Ou de Kemé dans. Sur le TS, vous le switchez avec nous, les gars. C'est un très bon copain à moi. Un petit chou! Chou de Bruxelles. Un petit chou de Bruxelles. Salut Miss B. Miss B. Miss B Girl 02. Bienvenue. T'aimes trop cette musique, Mathieti? Bah écoute, je suis contente que tu l'aimes. Voilà. Et mais j'ai quelques trucs de... J'allais dire de bière, mais oui, bien sûr. Ça me fait la fille alcoolique. Oh là là. Oh, ça le fait trop. Glenn n'est pas là. Mais il y a eu un bug et je sais pas si c'est là ou non. Ah, c'est vrai que ça a quelques temps, mais quelques minutes, on l'entend plus, tiens. Je me disais aussi que c'était calme. Et ça a déconnecté, il y a eu un bug. Ah, bah, il va se reconnecter sûrement, mais il va nous envoyer un message comme de quoi ça bug de trop, ou je sais pas. Faut qu'on se cotise, qu'on économise pour offrir un PC à Glenn. Bah, ça serait pas mieux que des dons pour mon nouvel écran. Là, bah, c'est pas les dons pour le nouveau PC de Glenn. Ah, mais moi, c'est pas des dons pour un écran que je fais, c'est une nouvelle caméra que j'aimerais bien parce que ma caméra elle est un peu foireuse maintenant. Bon, voilà. Aujourd'hui, j'ai juste désactivé les petites barres de dons et tout ça, voilà, juste aujourd'hui. Je m'étale pas sur le sujet. Mais j'ai plein de... Ah, oh, c'est bien. Je crois que ça sera beau. Oh, je pourrais peut-être faire ça comme ça aussi, un peu en taupe. Je vais faire ça en taupe plutôt, non, parce que j'aime bien. Je sais pas si tu sais, mais le Splat Cube a ouvert sur le Fort. Oui, il faudra trop qu'on ait testé ça tous ensemble tout à l'heure, les gars. J'ai grave envie de le tester. Quoi, de quoi, qu'est-ce qu'il y a? Quoi? De quoi? Bah, le Splat Cube, c'est Splatoon, mais version Minecraft. Ah. Ouais, non, ça a l'air trop bien. Intéressant. Donc oui, on va prendre ces blocs là, j'aime bien ces blocs-ci pour Je dis à Kipo qui te pose aussi une question. Elle te propose entre épouser Titi, Glenn ou Poussin, tu choisirais qui? Bah Glenn, forcément. Et pourquoi? Pourquoi je te choisis? Je les veux tous les trois dans mon lit, moi. T'as pas entendu ce que j'ai dit? J'ai pas entendu ce que t'as dit, non. Je dis Titi parce que c'est le plus jeune. Mais oui, trop. Je suis une cougar. Oh, ça y est, là je vois. Oi, oi, oi. Quand il fait oi, 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 c'est qu'il est gêné. non, pas forcément. Ah, il y a Alta qui veut que tu l'aies vu. Oh oui, Alta. Viens, ma chérie. Faisons des choses. J'ai juste repensé à René. À René? Ah oui, à René. Oui, bah, on peut expliquer ça, non, Titi? Ouais. Ou tu préfères pas? Donc un truc qui est... Tu préfères pas? Non, si, c'est bon. Si, ok. Donc Titi bah, n'est pas majeur, hein. il vit encore avec sa maman et son beau-père. Et donc le truc qu'il y a, c'est que le beau-père ne comprenait pas qu'une femme de mon âge soit d'amitié avec des gens plus jeunes qu'elle. Ce qui est un peu... Je peux comprendre, c'est que c'est pas quelque chose de courant. Mais moi, je pars du principe qu'on peut apprendre de n'importe qui de n'importe qui, voilà. Même si Titi est plus jeune que moi, je sais pas pourquoi est-ce qu'il aurait moins de choses à m'apprendre que... Enfin bon, oui, certes, il a moins vécu que moi, c'est sûr, il est plus jeune que moi. Mais bon, voilà. Voilà. Et puis voilà, le plaisir de passer du temps ensemble, de rigoler ensemble, parfois de quand on a un petit coup de blues, ben de parler ensemble. Enfin voilà quoi. Et puis Titi, je trouve, est quelqu'un d'assez mature pour son âge. Donc voilà. Et donc du coup, et donc il comprenait pas. Et alors, il me traitait de cougar en fait. Comme si moi j'allais essayer de faire des choses avec Titi. T'avais quel âge Titi? T'avais 14 ans à l'époque, hein? Ouais, j'avais 14 ans. T'avais 14 ans. Et ce qu'il y a, c'est que j'en avais tellement marre qu'il me traite de cougar que j'ai fait une vidéo. Facecam où je m'adressais au beau-père de Titi et il était un peu choqué en fait que je m'adresse à lui, donc voilà, et du coup bah maintenant il est un peu moins chiant avec ça, enfin je crois, hein. Ouais. Ouais, il est un peu moins chiant, ok. René, il est un peu moins chiant, on l'embrasse. Alors on l'embrasse, René.
Ça me fait penser à la chanson Lily la Cougar là. Je sais pas si vous connaissez. Loul. Où est-ce que je pourrais mettre ça, des blocs? Mettre ouais, des... Pas des blocs, mais des... Y'a Kémé qui vient de rejoindre. Oh là. Sous OTS? Oui, oui, non, non. C'est là. Kémé! Tu vas bien? Ça va. Et vous? Ça va, ça va. Bah, la forme, hein. Comme tu vois, je... Bah, je, voilà, bah, je te présente mes meilleurs potes, hein. Quand je ne suis pas avec vous en train de papoter sur Skype, bah, je suis avec eux, en fait. Ça, c'est cool. Vous êtes en garde partagée avec, avec eux. Donc, bah, je te présente Poussa et Titi, voilà. Et Poussa, en fait, faut que tu saches que c'est mon graphiste aussi, que c'est lui qui fait les petites chibis et tout. Donc, voilà, tu sais tout. Est-ce que tu veux bien sur Terrain Cube, Kémé? Non, je peux pas, enfin, je... Du coup, quand j'ai entendu sur ton live, genre ouais, passe et tout ça, mais du coup, c'était juste pour faire un petit tout ça, parce que du coup, je suis en train de peindre et je suis à fond dedans. Ah, j'ai la musique à fond et tout. Sans problème, sans souci. Et t'as vu que je fais un live, tu dis, allez, on va aller la voir, c'est ça en gros? Bah, je t'ai vu, mais en fait, je suis là depuis le début hein, quand même. Oh, mais j'ai juste vu ton petit commentaire à un moment, puis je. Voilà. Oh, mais quel homme fidèle tu es. Toujours. Fabuleux. Fabuleux. Et une nouvelle mentrice a lancé le thème de. Lequel de mes potes dois-je épouser? Oula. Ah, moi j'épouse Kémé, voilà, c'est fait. Ah bah voilà, c'est quoi ça? Mais, oh mais Poussin, mais tu m'as fait peur là. L'autre, là il est de nouveau un grand-mère feuillage, là c'est fait. Attends deux secondes, parce que là, je vais vite tuer le squelette, parce que là, il vient trop me squeletter dans la tronche. Non, moi je n'épouse... Et quoi? Ah voilà, moi je n'épouse personne, je ne suis à personne, voilà, c'est fait. Ah, si je suis au chat, par exemple. Y a pas d'entrée pour les arbres, pas maison. Non, ce n'est pas une entrée adaptée, elle n'est pas arbre-proof, mon entrée. Désolé. C'est pas mal en blanc et taupe, je crois. Ce que je suis en train de faire. Bon, c'est pas aussi beau que ta cathédrale, hein, Kémé, sur Zurkadia, hein. On s'entend bien. Ah, c'est pas vraiment trop la mienne. C'est qui l'a construit, en fait, alors, majoritairement? Ils ont commencé, c'était Hank et Vak. Ensuite, je suis arrivé, je random, vous voulez d'aide? Non. Et du coup, j'ai imposé mon truc et voilà. Oh. Ok, j'ai juste monté ton son pour que tout le monde t'entende bien. D'accord, ok. Et moi, je suis la campagnarde qui a fait sa maison à côté, comme une grosse teubée. Eh non, mais ça va super bien. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, j'ai mis à ma maison. Et en plus, quand j'ai fait le truc au départ, c'était genre, t'es sûr de ce que tu fais, là? Puis non, bah, quoi, oui, c'est vas-y. Pas beau. Et en fait, je l'ai changé. Oh, Poussin qui est en alligator maintenant, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir une équipe comme vous? Qu'est-ce que j'ai fait, sainte mère? Qu'est-ce que j'ai fait? Même en crocodile, j'arrive pas à rentrer dans ton hôpital. Ah bah voilà, c'est très bien. Il est crocodile proof. Il y a crocodile proof. Oh putain, y'a un creeper! Putain! J'ai cru que c'était toi! Je me dis, ah, mais c'est Poussin qui s'est morphé. Bah non, même pas, je me le suis pris dans la tronche. Oui, j'aime bien en taupe comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez, les gars. J'aime bien les murs comme ça, c'est joli. J'aime beaucoup. Ouais, t'aimes bien? Ouais, c'est trop mon kiff. C'est ton kiff, eh bah alors c'est nickel. Purée, mais c'est encore un creeper. Oui. Purée, mais t'étais en... Purée, mais c'est l'orgie ici. Il y a une surprise partie, là. C'est fait, Allez, hop, décollage des araignées. Hop, là, elle décolle. Je vais même pas builder tranquillement ici. Et j'ai un gros lag. Je vais avoir d'un coup un gros lag. Oh là 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 là, sainte mère, qu'est-ce qu'on va faire de ce serveur? Puis je me dis, mais c'est qui? Mais c'est Poussin, en fait. Il était en lui-même, et donc j'ai tellement plus envie de le voir en lui-même que je demande qui c'est. C'est qui? C'est le Poussin. Il est sur le serveur? Bah oui, il est sur le serveur. Et on a Alta qui ramènerait même pas ses fesses, la vilaine. Elle est connectée? Ouais, elle est connectée, elle ramènerait même pas ses fesses, c'est un scandale. Je lui demandais le divorce, Alta. Est-ce que tu es au courant de ça? Je te le dis. Ramène tes fesses. Ah, peut-être qu'elle a du bruit chez elle, je sais pas. Qu'elle ne veut pas, qu'elle est encore toute timide. Ops. Mais c'est pas possible! Tu vas me laisser but, tu vas voler! Regardez, hop là, envol du zombie. C'est beau, hein. Hop là, baptême de l'air. Ah mais, tu vas mourir, oui, mais tu m'ennuies.
Et on pourrait faire un peu comme... Je fais des cakes, ben tu peux faire des cakes avec nous. N'empêche, quand elle dit je fais des cakes, c'est très... Je sais pas si vous connaissez l'expression mouler un cake, c'est vachement dégueu. Non, finalement, tu peux rester dans ton coin, Alta, ça ira. Ça devient très, très pipi gaga ce live. Hein. Ah mais non, mais c'est pas possible! Allez, dégage! Dégage! C'est pas possible! Je me fais envahir de toutes parts! Il est tombé où ce petit golem? Bon, ok, bah il s'est barré. J'en moule plat. Oh là là, Alta! Qu'est-ce qu'on ferait sans toi? Oh, y'a un cerf qui glitch dans un mur et il souffre, je crois. Non, voilà, il est mort, je l'ai achevé. Il l'a tué. Quelqu'un qui... Je me fais mais fusiller le cul par un truc. Pauvre baby. On me tranche. Donc en gros tu peins, c'est ça que tu disais Kémé? Comment? Tu peins pour le moment, c'est ça que tu disais? Ouais. Et tu peins quoi? Bah je sais pas ce que j'ai, mais bon c'est peut-être aussi la sortie de Star Wars, donc bah du coup j'avais envie de faire des scènes, en fait des illustrations, et donc bah voilà. Ah. Tu veux que je monte ton blog au sushi qui sont sur le... Qui dire le live? Comme tu veux, enfin bon... Sauf si tu veux pas. En même temps c'est pas... Oh non, vraiment non, ça me dérange pas, enfin c'est... Disons que voilà, enfin je recherche pas non plus... Non mais voilà, pour qu'ils connaissent ton talent, tout simplement. Ah mais ouais, enfin pour le moment il y a juste de la mise en couleur, il n'y a pas encore de peinture, mais du coup ouais si je vais commencer à poster d'autres trucs en fait. Allez, fais tourner, ouais, renvoie-moi le lien parce que j'ai... Je d'accord, ok. Donc je vais vous mettre dans le c'est quoi c'est gentil. Qu'est-ce qu'elle fait Kibou? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah. Ok, Kibou, elle met à qui chaque personne correspond sur le serveur, d'accord, ok. Ok, d'accord. Oh, par contre, j'ai kiffé, j'ai montré l'autre jour le serveur à un pote, et j'ai vu que dans ma console, je me suis failée, cette poutre ici ne soutient rien. Et du coup, elle est, c'est pas utile. D'ailleurs, je crois pas que je vous ai montré qu'il y a dedans, regardez. Qu'il y a dedans. Il y a Miku Hatsune qui traverse la porte. Ouais, elle est totalement buggée en fait. Ouais, voilà. Il y a Miku Hatsune. Miku. En tout cas, je te dis que ton serveur est beau. Oh bah écoute, c'est vraiment pour le plaisir d'eux. Hein. On cherche pas forcément la gloire de faire des trucs de fou. Enfin voilà. Je t'ai montré ma maison, Kémé. Ouais. Ouais, tu me l'avais screen en plus. Ouais, bah j'ai un autre projet de truc, mais je vais faire sûrement la tour Stark. Oh! J'aimerais bien faire la tour Stark parce que j'adore Iron Man, mais à la place du Stark, mettre Dreams à la place. Et au-dessus, il y aurait mes appartements, et donc la maison, je l'offrirai à un PNJ ou je sais pas quoi, ou à qui veut, et genre un creeper qui me suit. Allez. Et donc en dessous, je pense qu'au rez-de-chaussée, enfin pas au rez-de-chaussée, mais dans les étages, j'aurais des boutiques ou je sais pas trop quoi encore, j'aimerais bien. Bah c'est deux de nos modos en fait, pas sur le serveur Zurkadia, mais qui ont fait justement, qui avaient fait la tour Stark avec même un hélicoptère qui faisait, enfin qui lançait des missiles et tout. Purée, trop cool, enfin pas cheater, mais trop cool. C'est Darky qui est revenu? Oui. désolé chouchou. Kibou, quel est un robot qui est capable de se transformer en licorne. Désolé, je bafouille les gars, c'est la fatigue. D'accord, ok. Moi j'ai une moto licorne. Une moto licorne? What the fuck? Ils ont des airs de licorne? Je sais pas. Ils sont bourrés, je crois. Y'a que moi qui peux être bourré ici. Non, j'ai quand même. Pourquoi je dis ça? Ok, je prends ça comme un challenge. Je re... Oh le mec. Donc, que je vous montre le site du Kemei.
Donc, hops. Mais, bien sûr, je me fail. Hops, voilà. Enfin, le bloc, plutôt. C'est le bloc de Kémé. Voilà. Si vous désirez le suivre, voilà. Il fait des très belles. C'est lui qui a coloré tout ça, en fait. C'est juste un Kémé. C'est le bon terme. Ah, il a dit qu'il re... Enfin... Ah, ok, oui, non, c'est pas. Non, j'ai pas été chercher de la bière, faut pas déconner. Oh, oui, le lien, merci. Donc c'est voilà, c'est lui qui a coloré tout ça, et je trouve ça super cool, voilà. Super cool. C'est quoi ta musique, jeudi, sur le site? C'est... Attendez, je vais vous dire ça. C'est... Xenogenesis de The Fat Rat. Mais ils ont délire avec les mouches. C'est qui? Ah, c'est où ça? Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont déliré sur quoi? Je sais pas, apparemment ils parlent de mouches, de viande, de paillettes, c'est bizarre. Dans le chat. Des pommes d'amour à l'ail de jeudi. C'est quoi les pommes d'amour à l'ail de jeudi? Des pommes d'amour à l'ail, mais ça a l'air dégueulasse. Des pommes à l'ail. Je sais pas, vous avez des drôles de tripes, hein, les gars. Je dis pas que tu vas redonner de la bière. À qui? Au sushi. Ah non, je leur ai pas donné de la bière. Ils sont beaucoup de fond. La majorité sont souvent trop jeunes que pour ça. Donc, ouais. Je vais prendre ces petits blocs là. Ah, puis du coup, faut que j'augmente aussi mes Pokémon. J'ai pas à rejouer depuis. Moi j'avais un tout petit peu joué, mais pas plus que ça. Eh, t'en étais loin, comment? Ça avait raconté l'histoire de pommes d'amour à l'ail. Ouais. D'après ce que dit quelqu'un sur le... Regarde dans le chat. Des histoires de pommes d'amour à l'ail? Poussin qui avait raconté l'histoire des pommes d'amour à l'ail. Mais ça sert à quoi, en fait? C'est pour donner une petite douceur à ton haleine, ou...? Écoute, je ne sais pas, en fait, je découvre, là. Mais remplacer les pommes par des oignons pour faire des blagues à l'huile. Et c'est tout. Je l'ai dit. Tu recouvres des oignons par du chocolat et tu donnes aux enfants pour Halloween. C'est horrible. T'es immonde, Poussin, mais j'adore. Je suis fan. C'est comme ces bonbons qui sont remplis d'encre alimentaire, tu vois. Ah oui, mais mon père avait prévu un truc parce que mon père est adorablement horrible. Il y a une école près de chez moi qui font des dessins. Les gosses ont des dessins et alors ils vont les mettre dans les boîtes aux lettres chez les gens avant Halloween et les gens qui veulent donner des bonbons apposent le dessin sur leur fenêtre. Et mon père avait acheté un costume exprès pour accueillir les gosses, mais bon ça fait 2 ans qu'ils ont pas fait les dessins, enfin voilà que ça a été arrêté le truc. Et mon père s'était pris un costume de faucheuse avec le masque, le truc et tout, hein. Et alors ma petite sœur était partie chercher bon parce que bon j'ai une sœur qui est 18 ans plus jeune que moi, donc elle a 10 ans. Et mon père les avait vus au loin, il s'était vite déguisé, puis il leur a ouvert la porte, et t'as un petit qui a commencé à avoir peur et tout, c'est trop drôle. Je suis un peu immonde, je suis désolée, mais voilà. Non, je trouve que c'est aussi génial. Voilà, c'est marrant de faire peur aux enfants. Ça les forge. Ça les forge. Ou les traumatise à vie. Ou les traumatise à vie aussi. Mais c'est bien, ça leur fait les pattes. Bah, ce qu'il y a, c'est que... Maintenant, avec tout ce qu'on voit à la télé, je pense que... Les gosses, maintenant, je pense que... Je suis même limite parfois même plus choquée que certains gosses, moi, au niveau de ce que je peux voir à la télé, donc voilà. En même temps, pour dire les restrictions, c'est du genre, oui, moins de 18 ans, mais ils regardent quand même. Mais c'est comme tout à l'heure, à Dreamland, là, quand j'étais acheté mon bouquin, là... je voyais qu'il y avait Call of Duty qui était en vente, mais bon, Dreamland, là-bas, c'est un magasin de jouets, quoi. Et bon, maintenant, oui, il y a des adultes aussi qui achètent des jouets, hein, oui, j'en suis témoin, oui, je suis, voilà. j'ai des jouets chez moi, hein, voilà. Qu'est-ce qu'il y a, Kéré? Copine. Oui. Et ah, tu as acheté ta copine à Dreamland, Kéré? C'est Barbie, t'as été. Mais non. Rime le respect. Mais c'est ça, quoi. Donc, enfin voilà, et le truc, c'est que bon, ils vendaient Call of Duty, et je fais à mon homme, ouais, ils vendent Call of Duty ici, c'est un jeu pour les plus de 18 ans. Il me dit, ouais, si c'était le seul jeu qui me fait comme ça, depuis 10 ans, je dis, ouais, c'est vrai. Oh là là. Non,
a qui jouent genre à GTA. Les gosses limite sont plus blasés de rien maintenant. Oh là là. Dites les sushis, à quoi est-ce que vous jouez pour le moment? Quel est votre pass gaming du moment? Dites-moi. Je serais un peu curieuse. Enfin, je suis curieuse. Zelda, le nouveau. Le nouveau Zelda, d'accord. Ouais, il est trop bien proche. Le nouveau Zelda? Ouais, Triforce Heroes. Et quand tu joues avec le pote, c'est vachement drôle. Enfin, ah, cool. Ouais, parce que c'est le mois prochain là qu'il y a le Zelda tant attendu là sur Wii U. J'ai pas entendu ça, moi, mais... C'est qu'il y a Zelda Heroes, Triforce Heroes qui est sorti il y a pas longtemps. Ah. Et mais apparemment, ce que j'ai vu, Nintendo va le sortir, le Hyrule Warriors qui était sur Wii U, ils l'ont juste refait, mais ils l'ont renommé Hyrule Warriors Légende. Comme s'il y avait quelque chose qui changeait, en fait. Oh ben, moi, ça m'arrange, parce que comme j'ai pas envie de m'acheter la Wii U, voilà, je peux m'acheter le 3DS. C'est juste pour le swag, en fait. Ouais, c'est pour le swag, mais ça change pas vraiment, je veux dire, Légende, oui. Mm. À rigueur, s'ils auraient mis Hyrule Warriors pour 3DS, oui. Mais... Ah, voilà quoi, ça vaut pas vraiment le coup de changer le truc. Mm. Ah bon, ouais. En tout cas, moi j'ai adoré le Hyrule Warriors sur Wii U. Je me rends compte que je vais te prendre un truc, je vais juste prendre de la bouse pour faire des échafaudages autour. Ah, mais que je suis con! J'ai morphing! Il est sorti la maison du style, il sort vendredi prochain! Ah, je croyais qu'il était déjà sorti. Non, il sort vendredi. C'est quoi qui sort vendredi prochain? La nouvelle maison du style. C'est qui qui a mis ses panneaux? Nous, squelettes, creepers, zombies, nous sommes fans de Jeudi Dream, et nous voulons des câlins, mais lol. Mais mec. Oh là là, je vous jure. Qu'est-ce qu'on ferait sans vous? C'est toi qui l'as mis, tu veux qu'on t'applaudisse? Oui, applaudissez-moi. Est-ce qu'il y a une émote qui peut être bien à mettre dans le chat? Je regarde. Sinon, vous faites clap clap. Oh non, si. J'ai ma chaise qui fait de drôles de bruit, bien sûr, je roule sur un fil de quelque chose, c'est trop bien. Ouais, non, vous mettez ça. Non, ça c'est nul, ça c'est nul. Je suis en train de checker aussi. Je regarde les émotes, mais il n'y en a aucune qui est bien. Ah, vous mettez des tacos, voilà, vous mettez des tacos comme ça, voilà, des petits bacon biscuits comme ça. Voilà, vous mettez des petits tacos comme ça. Il y a pas des morceaux de poulet dedans. Comment? Bah si, elles sont des morceaux de poulet dedans, mais c'est juste pour t'embêter, ça. Il y a aussi des sushis. Oh, des sushis, sérieux? C'est des sushis, ça? Oui, il y a des sushis. Ou alors, est-ce que c'est un sac de couchage? Les makis, mais vers... J'arrive pas à voir ce que c'est, en fait. Des sirachas. J'arrive pas à lire. Respire, tu peux le faire. Bonjour. Bref, c'est ça quoi. C'est trop con. Pourquoi j'ai dit poisson? Ah ouais. Y'a Clochette Gameuse qui a une question. Pose, ma chérie. Nous t'écoutons. Religieusement. Je t'en prie. Qui me balance du poisson, en fait Mais purée, mais... Pardon. L'autre qui me balance du poisson à la gueule, quoi, mais c'est... Oh, ce mec, je vous jure. Je vous jure. Bon, allez, les gens, moi, j'y vais. Ok. Okay. Bonne peinture et des bisous. Merci. Et bisous aux autres, si tu les vois. Ça roule. Au revoir Kémé. Oh là là, énorme. Hop, disparition. Ah oui, jeudi, c'est bon, on a vu... Oh mais la pluie de tacos que vous nous faites dans le... Maintenant, sur le eShop, c'est gratuit. C'est un genre d'application machine à pain. Tu vois, pour gagner des badges et décorer ton principal.
Sérieux? C'est gratuit. Ça s'appelle Badge Arcade. Nintendo Badge Arcade. Ah, mais ça a l'air trop bien. C'est Kibou qui m'en a parlé et en fait, tu veux. Il y a des trucs payants, mais après, en fait, si tu veux, une machine à côté qui t'appelle machine d'entraînement. Et quand t'attrapes des trucs d'entraînement, tu peux gagner des trucs gratuits, quoi. Mais au tout départ, quand tu commences à jouer, t'as des trucs gratuits. T'as des badges Animal Crossing, des badges Mario, des badges trucs. Et t'as même des badges qui peuvent remplacer les applications, tu vois. Genre l'appareil photo peut devenir Yoshi ou un truc comme ça. Ah, ok, c'est cool ça. Mais c'est gratuit, tu vois, c'est une petite application. Bon, comment est-ce que... Par contre, c'est devenu vachement moche, le truc vert, là, comme ça. Peut-être que tu pourrais faire un hôpital moderne, du genre un peu dans les tons gris... marron, gris, blanc. Ouais, bah oui, c'est ce que je me dis. Par contre, je trouve que le coin strié, ça va, mais le coin sculpté, je trouve que ça fait un peu grec, en fait. Ah non, moi, ça me plaît bien. Ça fait un hôpital grec. Y'a mon pote Flodux qui m'a dit « Ouais, t'es en kiff sur le quartz, en fait !» J'étais « Ouais, j'aime le quartz. » Oh, un cake ! Quelqu'un a déposé un cake ! Oui, c'est une ninja. C'est quoi ? C'est une ninja. J'ai rien compris de ce que t'as dit. J'ai dit que Alta est une ninja. Ah, une ninja ! Ah ! Ninja ! Ninja. Mais les mecs, mais vous avez craqué avec la bouffe hein, dans le chat, hein. Là c'est fait là, on vous a promis. Ils m'ont donné envie de jouer à Cooking Mama. Ah mais moi pas du tout là. Moi j'ai pas. Mais est-ce qu'elle pose la question, Clochette, la petite demoiselle là qui me pose une question? Je vais aller voir dans le moi-même dans le truc. Je dis la vidéo du style 2 est bien, j'ai pas vu ta vidéo pour ne pas me la spoiler. Ce qu'il y a, c'est que la démo. Jusqu'à maintenant, je dirais que la démo est bien, maintenant j'attends de voir la suite. Ah, Alta! Oui, ma chérie! Je t'ai repéré! Ma chérie, ma chérie. Oui, le cake! Alta, usine à cake officielle de Terra Cup. Te vexe pas, hein. Tu sais bien que je t'aime fort. Par contre, moi, j'aimais tellement de trucs sur moi, là. Mais c'est bizarre qu'elle fasse des gâteaux aussi rapidement. Si ça se trouve, il y a quelque chose... Ça se trouve, en fait, elle a une usine à cake, tu vois, où elle exploite des personnes. Elle exploite des Chinois. Jamais. Ça, c'est fait. C'est moi. Comment? Je vais manger, je vais... Bonjour. Bon appétit. Merci. Voilà. Bonjour. D'accord, ok. Donc je réfléchis. Merci. Oui, merci Alta, ma chérie, pour les cakes. Donc qu'est-ce que je vais mettre comme. Est-ce que je continue juste à monter tout et c'est bien? J'essaie de réfléchir à la couche que je vais mettre entre les deux, en fait. Entre le rez-de-chaussée et l'étage, parce qu'il y aura un étage avec des chambres pour le côté un peu plus roleplay du truc. Oh, j'ai trop une idée. Il y a une petite ampoule là qui s'allumait. Bah oui, ça oui. Je vais creuser. Un truc en dessous, ici. Il y aura des escaliers et ça sera une salle pour faire carrément popper les mobs. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, en fait, ce qu'il y a, c'est que je vais créer le truc à zombies en dessous. Donc, je vais créer un système donc pour pop, pour faire pop les zombies en dessous, pour essayer d'en avoir et d'en soigner. Bon, maintenant, il y aura plein de mobs autres que des zombies, il y aura des creepers, tout le merdier. Mais je vais également donc essayer de... comment est-ce qu'on peut faire ça? Je réfléchis parce que là j'ai la fenêtre quand même. Oui? Tu dis t'as pas de texture ou t'as le face full? J'ai le pack normal de Minecraft. j'ai pas mis de... Oui, voilà. J'ai déjà tout ton pack de texture. Bah oui, c'est le Minecraft de base. Donc oui, je me tâte ici.
si comment... Bah, sinon ça bug en fait avec le truc, en fait avec le... Le... Comment on appelle ça, le... Mode. Avec les lags de texture, mon jeu crash en fait. Et je sais pas pourquoi. Alors que je les patch et tout, pas pourquoi. Bon, je suis... Même tous les autres textures patch. Ouais. Mec, le facehull qui est super léger, ça bug. Donc. J'ai essayé d'effacer tout pour Minecraft pour en faire un autre. Oui. Pas maintenant, pas au point, mais au cas où, fais-toi, je dirais. Ou enfin, fais-toi peut-être si tu comptes faire ça. Tu as un dossier où tu mets tous tes configs, tu vois. C'est ce que je fais, j'ai tout séparé hein, pour mes configs et mes modes, hein, rien les mélanger. Pareil pour les utilisateurs. Re ma belle. Toi, tu fais ça et. Bah, tu sauvegardes bien tout et puis après tu l'effaces. Enfin, moi c'est ce que je vois, tu vois, souvent quand Minecraft bug, je sais pas vraiment prendre des. J'efface et ça me fait un Minecraft tout neuf et ça marche super bien. J'ai déjà fait en fait ça une fois quand je mettais un pas de texture, mon Minecraft crash en fait. Direct. Ça va, c'était bon, Euro. Ah oui, oui. J'ai mangé en dessert des espèces de nouveaux biscuits. C'est belge, du coup j'ai goûté, c'était bon. Ah, c'était quoi comme biscuit? Je sais pas du tout comment ça s'appelle, c'est des espèces de... Ah, ça s'appelle des chips truc mûche, c'est au chocolat et tout, c'est trop bon. Des chips truc mûche? Oui, non, j'ai oublié comment ça s'appelle. Ah, génial. Bon. Comment est-ce que je peux... Qu'est-ce que je peux faire ici? Tu m'as donné envie d'être au petit déjeuner là, Axel. Avec tes biscuits. Ah, mais là j'ai mangé du chocolat, mais je mangeais pas combien de chocolat là. J'ai encore envie de chocolat. Pas bien. Non, j'ai hâte d'être à Noël, mais chaque fois à Noël, quand je vais un peu ma famille, j'ai toujours des boîtes de chocolat, donc parfois j'en pique un peu. Mais c'est pas mes parents n'aiment pas acheter des chocolats à Noël, et du coup, quand je vais chez ma famille, enfin ma grand-mère et tout, j'ai toujours des petites boîtes de chocolat. Voleur officiel de chocolat. Alors, mais c'est dommage parce que c'est Noël, en fait je pourrais pas prendre du chocolat. Il y aura des fraises enjourbées de chocolat. Non mais attends, lâche-les vite, tu vas donner la dalle à tout le monde. Hein. Je dis ça, je dis rien. Si vous voulez encore plus la dalle, jouez à Cooking Mama. J'ai envie de manger ma ville à chaque fois que je me connecte, quelle dalle. Hein. Mais tout le monde veut bouffer ta ville, Alta. Tout le monde. Bienvenue à La Grande Faucheuse 16. Bienvenue à toi. Et Kari-chan qui dit que Sakura Kinomoto est son héroïne favorite. Ben, si Poussin était là, il serait tout à fait d'accord avec toi. Donc, je réfléchis à savoir est-ce comment que je... Est-ce que t'as un animé ou un manga du moment? Non. Pas pour le moment, non. Il y a Clochette Gamers qui demande si t'es toujours fan de Super Sonico. Ah, mais trop... Mais je vous ai pas montré dans Last in Dreams ma nouvelle figurine Super Sonico, normalement oui. Si. Oui, je vais vous la remontrer pour ceux qui ont pas vu. Je mettrai en tout grand. Oh merde, ma cam est pas bonne. Attendez, je vais juste retirer parce que la caca cam, là, ça te déconne pas, mais. Hop. Je vous la montre. Voilà. Elle est au téléphone avec une petite peluche, avec un petit mini pull assis sur un coussin. Et je l'adore, avec son petit téléphone qui entre guillemets bouge, voilà, je l'adore. Non oui, elle fait fort rose à cause de mes petites LED qui sont roses, donc voilà, désolée. Elle est super bien faite quoi, franchement la peinture est bien appliquée, c'est trop joli. La figurine me fait penser à un personnage qui ressemble à peu près, mais en petit et puis mini. La caca Camille. Je dis, tu connais Imuto Maru-chan?
Ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose que tu dis. Rafraîchis-moi la mémoire. En fait, Imoto Mansion, c'est un animé, je dirais, avec en fait une petite fille. Genre, c'est une lycéenne, en fait, et elle fait un peu la misère. C'est-à-dire, quand elle est au lycée, elle a plein d'amis, elle travaille super bien, donc voilà. Et à un moment, quand elle arrive, en fait, quand elle arrive chez elle, on va dire qu'elle fait un peu tourner en bruit avec son frère. Et tu vois, en fait, elle a deux personnalités. C'est-à-dire, elle, quand elle est normale, tu vois, un peu comme Super Sonico, vraiment un peu bien dessinée et tout. Puis après, quand elle arrive chez elle, c'est toujours. J'ai une petite chibi, en fait, avec. Un petit costume de ah, purée, ça a l'air fun. De petit 14, où elle arrive, en fait, elle est toujours en train de jouer aux jeux vidéo, en train de boire du coca et tout. Ah, mais ça a l'air fun comme truc. Y'a personne qui sait ça, en fait, tu vois, y'a que son frère qui sait ça, et ses amis, ils savent pas. Et je trouve que c'est ça trop bien, parce qu'en fait, à un moment, elle fait, ramène-moi du coca, il fait, non. Elle fait, t'as dit quoi? Ramène-moi du coca. Et tu la vois toujours en train de jouer à Mario Kart, toi, jouer sur son ordinateur. Excellent. Des trucs... Et c'est vraiment en fait un peu genre du truc double face parce que elle est toujours sur... quand elle a pas quelque chose en fait elle est toute mignonne et puis après elle se roule sur son lit et elle fait je veux ça, tu vois, un peu comme les petits bébés qui... What? Je trouve ça marrant parce qu'elle fait vraiment tourner en bruit son frère et... Oui, qui bouge, parle de Hikari. Voilà quoi, c'est un anime super fun et... Ok, bah écoute... voilà, je teste. Il y a Hikari qui demande le lien de l'anime. Ok, bah je vais chercher ça, il y a quand même... Surtout que j'ai... Tu sais plutôt lui envoyer en privé, s'il vous plaît, pour ne pas mettre des trucs... Parce que c'est pas très légal de télécharger des trucs, donc... Non, c'est pas un truc de télécharger, c'est un site de streaming... Tout à fait. D'accord, logiciel. Ok. Oui, ils ont les licences, quoi. C'est... D'accord, ok. Parce que j'aime pas télécharger. Tu veux que je le mette ou que je le mette quand même en... Ouais, si, mets-le, mets-le. Par contre, je me rends compte que je vais devoir mettre le jeu. Coucou. Quelqu'un dit coucou, c'est bien ça? Non. Ah oui, c'est ça. Il semblait bien que Titi était de retour pour nous jouer des mauvais tours. Taya, Terracube, c'est pas un pack de textures, hein. C'est un mode. Ouais, c'est un mode pack qui est disponible d'ailleurs sur le site. Vous pouvez le télécharger gratuitement sur mon site internet, sur thedreams.com. Vous allez dans Info Série, Terracube, et bah là vous pourrez le télécharger. Je m'envoie le lien. Oui, hein. Voilà. En fait, si tu veux, c'est ce site en fait diffuse des animés mais licenciés, tu vois, en fait, où ils ont pas vraiment licence chez nous et... Ah ouais, ok. Quand t'as des licences, tu peux ils le mettre, quoi. Ah ouais. Voilà, aller sur tel site, truc, et je trouve ça bien parce que souvent, dans ce genre d'animé, t'as des vraiment pas vraiment connus qui sont vraiment super chouettes, en fait. Ok. Voilà. Là, ça me fait penser que Super Sonico était sur le site. Grenouille. Ah, grenouille, je sais pas où il est, grenouille, il s'est barré. Il est quelle heure? Il est l'heure qu'il est. 20h16. Il est 20h16. J'ai une proposition à faire, c'est qu'on fasse une petite pause d'une demi-heure. Et que je vous reprenne. Pour un petit live mini-jeu. Et à mon avis, on poursuivra le... La construction de l'hôpital, et ben... plus tard. Parce que vous en pensez. Qu'en pensez-vous, mes petits modos d'amour, chérie? Bah... Pensez-vous que c'est un beau moment pour... Mais oh, tu cet escalier est dissident. Bon, si je veux péter un escalier du steak, ça ira moins bien. Voilà. Y a tout le monde qui m'a donné envie de regarder Imoto Maruchan ce soir. C'est pas possible.
Mais moi en ce moment je suis en train de me mater le Seigneur des Anneaux version longue. Gameski, j'en ai marre, au collège on se moque de moi car j'aime les jeux vidéo. Et rien qu'à cause de ça, j'ai pas d'amis à cause de, des passes qui vont aller apporter aux autres filles. Donc il faut que se moquer. J'ai essayé d'aller voir la CPE, elle s'en bat les steaks. Il y a que les modos, les sushis, je dis, qui me réconfortent. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut dire, c'est que vous êtes à un âge, certains sushis, donc souvent vous êtes ados, ceux qui me suivaient. Bon, maintenant vous n'êtes pas tous ados, mais il y a beaucoup d'ados. Et vous êtes à un âge ingrat où on se dit que tout ce qui nous rallie à l'enfance, les jouets, les jeux vidéo, ouais, ça fait gamin, et que donc du coup, ben, on veut jouer au grand. Et donc du coup, ben, on n'assume pas qu'on aime bien ces choses-là. Et parfois, il y a des gens, comme ben, certains d'entre vous, qui assument le fait d'apprécier encore ben, les jeux vidéo. Enfin, de toute façon, les jeux vidéo, c'est pas que pour les gosses, hein. Regardez Call of Duty, c'est 18 ans minimum. Hein, voilà. Donc, il y en a qui n'assument pas, donc... Voilà, moi je... Donc ceux qui n'assument pas font chier ceux qui assument. Donc voilà, le mieux c'est de rester vous-même, rester fidèle à vous-même, aimer ce que vous aimez, parce que de toute façon il y a forcément d'autres personnes qui eux assument et apprécient réellement ben, les mêmes passions que vous, ben, tout simplement. Donc voilà, suffit juste de les trouver. J'ai une question, est-ce que vous m'entendez? Okay. Tu viens de nous éclater les oreilles, hein, là on est tous morts là. D'accord. J'entends quelqu'un qui est en train de violer son clavier, mais je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'entends un truc grisé qui fait, qu'est-ce que vous entendez mieux? Mais un mec là, le truc qui grésille, ma crevette, genre, wow, c'est quoi cette violence là? C'est Bagdad dans mes oreilles. Ah oui, je dis ce que je veux. Non, ça va mieux, le son est là mieux. Oui, ça va. Oui, Gisèle, ça va mieux. Si tu peux me permettre d'ajouter un truc, je dis à toi, vas-y. C'est que souvent il y a des personnes qui ouais, voilà, c'est des âges bêtes, font en sorte, enfin font, oh, oui, voilà, en fait elles aiment ça, mais tout simplement elles sont ridicules parce qu'elles font croire que, ouais, elles se font prendre pour d'autres personnes et tout simplement, en fait, faut ouais, dire que ces personnes-là sont, enfin, essaient juste de faire ça pour devenir populaire et que, contrairement ouais, à elles, ouais, vous assumez complètement. Ouais, c'est l'important. Bah, moi, je sais pas, enfin, personnellement, ça m'est arrivé, ça m'arrive toujours. Hein, non, Titi, baisse son son parce qu'en fait, là, c'est abonné parce qu'on entend tout. On entend le bruit de ta souris, on entend tout, quoi. Sérieux? Ah ouais. On entend le bruit de ta souris que tu maltraites. Pour cette personne, essaye de pas trop t'initier dans ces personnes, t'essayes de les ignorer au maximum. Ouais. Enfin, pas trop à des adultes parce que je sais que ces gens-là, de toute façon, ils t'aideront pas tellement que ça. Après, je. Je suis pas de cet avis. Ce qui est en tout cas, ça m'a jamais aidé. Donc un truc qu'il y a, c'est que moi. Enfin bon, je vais couper le Minecraft et je vais vous expliquer une expérience qui m'est arrivée quand j'étais ado. Mais je crois que je vous l'ai déjà raconté en plus, je pense. Bon, Mami Dream sera d'autre, c'est pas grave. Quand j'étais ado, en fait. Quand j'étais ado, en fait, il y avait donc mes deux premières années d'ado, donc j'étais en première et deuxième, donc l'inverse, donc pour nous en Belgique, c'est la sixième chez vous. Donc première année que j'étais, donc sixième pour vous, quoi, je vais dire. Il y a une fille qui me faisait chier, elle s'appelait Virginie, c'est pas la Virginie que vous avez déjà vue dans les vidéos, c'est pas du tout cette Virginie, c'est une autre, hein, je tiens à préciser, Vivi est une personne adorable, c'est pas du tout la même Virginie. Et cette connasse-là était la leader de ma classe. Enfin, pas la leader, mais celle que toutes les filles écoutaient, que tout le monde écoutait, enfin voilà. Et moi, à l'époque, j'étais pas du tout une fille populaire, méga cool. J'écoutais des musiques un peu niaises par rapport à ce que tout le monde écoutait. Enfin, c'est qui a rejoint notre équipe, le truc ? Regardez. Bienvenue à Kakakam Vieilli. Oh mais non, mais c'est terrible les gars, oh, je vous adore. Mais ça va, oui, ça va. Okay. Et donc, en fait, cette fille me martyrisait, mais tout le temps. Et j'en ai vraiment eu marre un jour. Au bout de 2 ans quand même, j'ai craqué. Et donc c'est que pendant ces 2 ans, en fait, parce que pendant elle m'a fait chier, ma mère téléphonait à l'école, oui, voilà, ma fille est promis avec cette fille, et voilà. L'école n'a jamais réagi, effectivement. Et ce qu'il y a, c'est que... Ah oui, je vais aussi pour le mode pour le ciel, tant que j'y suis, parce que je vois que vous me posez la question. Et donc, ma mère téléphonait, il faisait rien, et donc, bah du coup, j'en ai eu marre. J'ai pété un plomb, et je me suis littéralement battue avec elle, alors que je suis pas quelqu'un de violent.
Et ben je l'ai pété les dents dans le fond, les molaires, oui c'est les molaires, celles qui... C'est des dents, faut déjà y aller pour péter des dents comme ça, hein, parce que c'est vraiment les dents qui mâchent la viande, enfin c'est vraiment les dents que vous utilisez vraiment pour broyer les trucs, voilà. Quoi, donc voilà. Donc la fille elle avait une bouche comme un hamster quand je l'ai vue le lendemain, et je l'avais griffée de partout, enfin voilà, moi j'avais rien du tout, j'avais juste été un peu poussée parce qu'à un moment quand elle s'est battue, elle m'a poussé la tête contre le mur, mais bon j'ai vraiment rien eu comparé à elle qui avait pris mes graves, quoi, qui avait pris cher. Et à l'époque ce qu'il y a c'est que j'étais pas du tout sûre de moi en fait, et donc je me dis ouais je vais lui mettre sur la gueule, voilà, et mettre la cam comme ça sera mieux. Oh Linda, vous voyez Linda. Donc je vais lui mettre, donc voilà on s'est battu, et donc bah du coup ben... Bah, elle m'a foutu la paix le reste de l'année. Elle m'a foutu la paix. Et ce qu'il y a, c'est que donc, comme le directeur, le sous-directeur était au courant qu'il y avait des problèmes entre elle et moi, bah, à la base, on devait se prendre 2 jours de renvoi. Mais à la place, comme il était au courant et qu'il avait admis lui-même qu'ils avaient rien fait, bah, on a juste eu chacune 2 mauvaises notes. Donc voilà. Donc, ce qu'il y a, c'est que si les adultes sont au courant, mais qu'ils foutent rien, bah, prenez les choses en main. Et maintenant, quand j'ai pris les choses en main, si quelqu'un vous fait chier pendant longtemps, mettez-lui une rouste. Hein. Écoutez, je suis désolée. Mais à un moment, si la personne ne comprend pas autrement, vous lui mettez un pain. Quoi. Je suis désolée. Si vous avez essayé de parler avec elle. C'est ce que t'as fait, toi, Titi? C'est ce que j'ai fait, moi, au collège. Je lui ai bêté le nez. Et personne ne m'a rien dit. Et lui, s'est pris l'heure de colle. Et moi, j'ai rien eu du tout. Oh merde! Et il m'avait tellement fait chier de longue année. Oui. Voilà. Je me suis lâché. Et comme je suis pas quelqu'un d'agressif, je suis toujours bon élève en classe et tout. Bah les profs et tout, ils en ont parlé entre eux et avec la CPE et puis j'ai rien eu du tout. Maintenant, ce qu'il faut dire, enfin, je veux pas forcément que Kibou qui dit moral frappe les gens pour qu'ils vous foutent la paix. Non, pas forcément. Si vous avez essayé de discuter avec eux, mais que c'est juste la grosse brute et qu'il faut lui foutre une rousse, mettez-lui une rousse, quoi. C'est ça. C'est, si vous essayez de parler, enfin avant, faut pas utiliser la violence, voilà, comme vient de dire Everybody Stream, la violence ne résout pas tous les problèmes, sauf ce qu'elle résout, mais enfin voilà, c'est, voilà, faut utiliser ça comme dernier recours, parce que la violence, ça n'aboutit clairement à rien, donc ouais. Voilà. D'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de problèmes dans le monde, parce que personne ne t'en passe. Voilà, bienvenue à Everybody Stream, bienvenue à toi. Donc voilà, c'est vraiment... Parfois, faut pas hésiter, même si on n'a pas confiance en soi, faut foncer et voilà. Bah les gars, donc moi, ce que je vous proposais, c'est qu'on fasse une petite pause d'une demi-heure. Donc je vous reprendrai à vers 21h, un petit peu, ouais, vers 21h. Et on fera des mini-jeux ensemble sur Minecraft, si ça vous intéresse, si ça vous dit, bah voilà. Et moi, je crois que je vais me mettre bien posée, je vais vite aller prendre une douche. Avant le prochain live, et on va se mettre tous en pyjama comme ça et on va geeker moi, ensemble. Bien. T'es déjà en pyjama? Ah bah voilà, moi je vais mettre en pyjama. Mon pyjama quoi là? Mon ensemble? Oh. Ah ouais, t'es dans un comment? Un kougougoumi? Comme bébé quoi en fait. Oh, trop mignon! Trop mignon! Ah, c'est Is Grippy! Ah, salut Grippy! Bon. NeoGeek, mais non, tu sais NeoGeek, faut pas laisser parler, ces gens n'en valent pas la peine. Laisse parler. Donc je vais aller prendre une douche les gars. Puis après, ben ouais, vers 21h comme ça, je reprendrai le live et on fera des mini-jeux Minecraft. Et je pense qu'on va commencer sur le Fantabob World, parce que c'est un dessin préféré. Donc voilà, on se retrouve là. Je vous fais des gros bisous. Et à tout à l'heure.